On peut commencer là-dessus. Ça, c'est le cadastre solaire de la lamelle. Quand on est en haut, donc là, c'est soleil. Quand on est en bas, bon, on a la lune. Il faut expliquer que c'est pas un potentiel solaire, ou en tout cas, défavorable pour la. Ça permet de vérifier si on a un potentiel solaire sur sa toiture assez facilement. C'est super visuel. On voit tout de suite si sa toiture est bien orientée, bien inclinée, s'il y a un risque d'ombrage ou pas. Donc juste si on tombe dessus en tant que citoyen, on peut voir sa toiture intéressante ou pas intéressante. Après derrière, je pense qu'il y a quand même une réflexion. Il faut approfondir la réflexion en fait. Donc avoir une image et avoir connaître son potentiel solaire, c'est bien. Mais derrière, il faut faire attention à si on vient se faire démarcher, faut faire gaffe parce qu'il peut y avoir des entreprises un peu éco-délinquantes qui viennent profiter de cet outil-là pour sensibiliser et l'utiliser pour dire on a une solution pour vous, alors que derrière, il y aura des prix un peu exorbitants. Ici, à une étape, je vais essayer de faire ça. Parce que les temps de photographie, ça ne va pas répondre à la question. Quand on regarde sur Internet, on trouve malheureusement en priorité les sites d'annonce des sociétés entre guillemets qui nous arnaquent. Mais quand on creuse, on voit avec la maison de l'habitat durable. Face à tout ce qu'on peut voir, il est bien d'avoir des gens qui nous conseillent pour aller dans le bon sens. On va chercher la clé à roulette, quoi. Il faut avoir l'ensemble du spectre, c'est-à-dire les acteurs publics nous disent, et ça a été le cas en l'occurrence, attention, en termes de prix par exemple, ça nous paraît un peu élevé, les panneaux en moyenne c'est ce prix-là, voyez encore si vous pouvez affiner effectivement les propositions. L'énergie renouvelable, c'est une partie de la solution, mais moins consommer, c'est vraiment une autre partie et je dirais le cœur de la réponse. Et pour ça, la Maison de l'Habitat Durable offre des conseils aussi pour accompagner les particuliers à la rénovation énergétique, à mieux isoler leurs bâtiments, mais aussi à faire les bons choix en matière de déplacement, de transport. Il y a toutes ces solutions-là qui sont à mettre en place parallèlement au fait de produire plus d'énergie renouvelable sur le territoire.